Ya baba seke mataka ya taka baba bashindra basata magoboko sokori ya rabasandra bashinda kabaka. Shalom, bien le Seigneur, je te bénis mon frère, ma sœur, toi qui peux nous suivre maintenant, toi qui es connecté, toi qui es en direct avec nous, notre programme l'école du Saint-Esprit. Et nous allons lire aujourd'hui le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, nous allons commencer par là et partager la parole de Dieu ensemble. Jean chapitre 14, nous prenons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible nous dit ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Je reprends. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Père, merci pour ce moment que nous allons partager ta parole. Que ton esprit puisse nous aider à comprendre ce que nous allons lire, ce que nous allons partager ensemble avec tes enfants, partout dans le monde. Dans la compréhension de ta parole, glorifie le nom de Jésus-Christ parmi nous, que nous puissions bénéficier quelque chose de nouveau dans ta parole, pour ta gloire. Amen. Ok, bienvenue le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui de qui a vu Dieu, ou de tous ceux qui nous disent qu'ils ont vu Dieu. Parce que c'est tout ces temps-ci, quand on regarde les vidéos sur le net, beaucoup de gens ont l'habitude de nous faire des vidéos du genre qu'il a vu Dieu, qu'il a vu Jésus lui apparaître. Et d'autres nous disent même qu'ils ont vu Lucifer, si on peut dire ça comme ça. Alors, toutes ces histoires-là, nous devons plus étudier la parole de Dieu afin que nous puissions comprendre bien ceux qui ont eu à voir Dieu dans sa parole. Et ça va nous aider à comprendre que beaucoup de ceux qui nous disent qu'ils ont vu Dieu, qu'ils ont vu Lucifer, qu'ils ont vu ceci, cela, la plupart de ces gens-là viennent juste pour manipuler les gens, pour mentir et vous attirer dans leurs bêtises, dans leurs erreurs, dans leurs mensonges, si on peut dire ça comme ça. Alors, tous ceux qui viennent vous dire que je vis Dieu, que je vis Lucifer, ou il a vu le diable à personne, est-ce vrai? Quelqu'un peut venir vous dire que je vis Jésus Christ en live, est-ce vrai? Bien sûr, ici, quand on lit la Bible, Jean chapitre 14, verset 8 et jusqu'au verset 11, là on voit la conversation de Philippe qui parlait à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était encore sur la terre pour faire son ministère en tant qu'homme, c'est là qu'il a eu à parler avec Philippe. Et c'est là qu'il avait dit à Philippe que non, pourquoi cherches-tu encore à voir le Père? Car le Père est en moi. Si tu me vois, c'est vrai que tu vois aussi le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors si nous pouvons voir aussi le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, là on nous parle de tentation de Jésus par l'ennemi, le diable, qui avait tenté Jésus.
Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il y a le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Je vais lire ça rapidement. La Bible nous dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il y eut faim. Après que ces jours-là furent écoulés, il y eut faim. Après 40 jours. La Bible dit ceci, le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ok. Voyons un peu ces quelques versets là de Luc chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Nous avons commencé à lire Jean chapitre 14, à partir du verset 8 au verset 11. Vous devez aussi, soit de temps en temps, revoir cette vidéo et lire tous ces versets et puis méditer sur tous ces versets et Dieu va vous ouvrir l'intelligence, la connaissance spirituelle et vous allez commencer à comprendre bien les choses de Dieu et vous allez commencer à bien aussi comprendre toutes les mensonges que beaucoup de personnes viennent avec dans leurs vidéos. Ok, là on vient de lire Luc 4. À partir du verset 1, verset 7, la tentation de Jésus par le diable. Alors, le diable a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ou, il a fait encore monter Jésus dans une montagne et lui a dit que non, si tu te prosternes, je te donnerai toute cette gloire car elle m'a été donnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Personne ne sait, toi qui me regardes et moi, personne d'entre nous, le sait si c'est en live que notre maître, Seigneur Jésus-Christ, avait vu le diable ou pire, Lucifer, ou si ça s'est passé comment. Parce que là, nous lisons les écrits. C'est bien et ça nous aide à bien comprendre que Jésus-Christ a été tenté par le diable. Nous devons savoir ceci. La Bible dit ceci. Dans Jacques chapitre 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je souligne bien ça. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le diable a tenté Jésus-Christ. Toi et moi, personne ne sait si c'est en live que le diable s'est présenté devant notre maître. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce qu'il y a des gens qui viennent nous dire des fois dans leurs vidéos qu'il a été le bras droit de Lucifer, ça veut dire du diable, qu'il a été secrétaire du diable, de Lucifer, où il y a même des enfants, où je vis une jeune fille, qui est allé même jusqu'à dire qu'elle a été la femme de Lucifer. Est-ce que vous comprenez?